Bonjour, c'est Gilles du site pour Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché forex pour cette journée du mercredi 8 janvier 2014. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar où donc la, le scénario que nous avons commencé à échafauder hier a finalement pris forme, à savoir ici cette forte phase de baisse, donc on avait bien détecté ici le point qui a provoqué un rebond technique, donc rebond technique qui est venu chercher ici le premier objectif, un hein, premier objectif 1.3629, je vous avais dit ici si on n'arrive pas à franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle, et eh bien il faudra se séparer de ce rebond technique, donc, on a une, une petite rechute ici. Deuxième test de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui n'a pas été euh, qui n'a pas été suivi d'effet. Hein. Il n'y a pas eu de, de cassure. Il y avait des, des tentatives ici, mais qui, qui ont tout échoué. Donc, je vous avais dit qu'il faudrait sortir de cette position. et eh bien, euh, bien m'en a pris, puisque finalement, le, 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 la tendance s'est confirmée à la baisse. Donc, puisque nous avons cassé hein, le plus bas euh, de, de, cette, de cette bougie à hein, 35,71. Euh, donc, euh, qui d'ailleurs, ça vient de se faire hein, juste avant. Que je, que je prépare cette analyse. Donc on confirme ici le retournement de tendance, hein, toujours grâce à l'aide du, du setup du trading en tendance, avec ici cette forte pression sur la bande de Bollinger inférieure, une cassure de point bas significatif, on vient chercher moyenne mobile 20 exponentielle qui finalement s'est eh euh, avéré être un très bon point d'entrée pour suivre. La, la tendance baissière. Donc pour ceux qui sont rentrés short ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, je vous rappelle qu'on protège ici la position sur le point bas ou sur le premier contact avec la boîte inférieure, ce qui est quasiment le même niveau donc sur ce sur ce schéma. Et donc dans ce cas-là, et eh bien on n'a plus qu'à laisser couler la tendance et puis au pire si ça remonte, et eh bien on est protégé hein, grâce au système du, du, du stop financé par exemple. Donc là, et eh bien la tendance baissière est, est confirmée. Point de vue des indicateurs, on est remonté, on était survendu ici sur cette, sur cette zone. Le, le rebond technique ici nous a permis de refaire monter les, les indicateurs en zone neutre. Et donc on confirme ici avec euh, donc un stochastique qui rentre déjà en zone de survente, mais un MACD qui nous montre encore une, une dynamique qui, euh, qui peut et euh, une dynamique et un potentiel qui peut nous amener euh, qui peut nous amener bien plus bas. Donc les prochains objectifs donc, sur cet euro dollar, et eh bien sont tout simplement euh, la zone des 61,8% avec 1,3524. Euh, nous sommes là actuellement dans la zone 50-61,8. Ce qu'il faut savoir c'est que par rapport donc à l'intégralité de cette tendance, et eh bien on a monté ici, on est dans cette zone 50, 61, 8, sur une rupture de cette zone et 1,35, 24, et eh bien il faudra s'attendre à une, une possible accélération et une probabilité accrue de revenir ici sur les 1,32, 95, qui est la base des retracements de Fibonacci appliqués à cette, à cette tendance, donc point à surveiller ici, 1,35, 24 à la baisse, par contre une cassure haussière, hein, si toutefois il y avait un rebond technique du plus haut de cette phase de, de rebond technique, technique pardon à 1.3657 donc une cassure haussière des 1.3657 invaliderait donc la poursuite du mouvement baissier et donc nous placerait dans une phase de possibilité de, possibilité de rebond vous voyez bien que si on rebondit ici par exemple suite à ce, à ce point bas et que l'on revient ici sur le niveau des 1.3657 et eh on peut marquer un double bottom qui peut nous, nous propulser ici sur des zones au delà des 1.37. Hein. Donc il, il faut bien surveiller ici et, et surtout toujours placer sur ces stratégies des zones d'invalidation qui permettent de ne pas se retrouver euh, à l'inverse des marchés. Sur le câble, et eh bien je vous avais dit qu'il faudrait surveiller ici cette zone 1,64-42, donc cette zone était pour l'instant une bonne zone de résistance ici, et puis finalement on est repassé au-dessus, et même euh, au lieu de repasser au-dessus, on, on, on est en train de la confirmer ici comme une zone de support. Donc euh, là on pourra euh, interpréter cette, euh, ce mouvement euh, comme euh, une possible fin de consolidation. Alors lorsque l'on trace les, euh, les retracements de Fibonacci sur cette tendance. Voilà, nous pouvons constater que le 61.8 a, euh, a été cassé quand même. Alors attention, ça fragilise un petit peu cette reprise. Au pire, si on... Bon, parce que normalement, quand on casse le 61.8, euh, on vise un retour ici sur un retracement total. Si les cours continuent à monter ici, et puis que finalement on se rapprochait euh, de cette zone des 1.66, eh bien, euh, cela... Alors indiquerait que nous sommes sur une phase haussière mais très peu dynamique. Ce qui avait déjà été constaté du fait que nous avons ici des points hauts qui sont toujours de plus en plus hauts, mais d'une manière très faible. On a très peu d'amplitude entre les, entre les points hauts, mais surtout un très peu de momentum hein, par rapport à cette, à cette progression. Donc là. On repasse au-dessus du 38,2%. On est sur une zone de point haut significatif intermédiaire, hein, sur cette zone ici d'un 64-75. Si un 64-75 est dépassé, on pourra viser un retour ici sur un 65-18-20. Euh, après, une cassure ici de cette zone nous, faut, nous mettrait vraiment dans une, euh, dans une optique de, de changement de dynamique. Hein. Ici, nous sommes sur une dynamique court terme. Lorsque l'on élargit un petit peu, voilà. On sent bien qu'on a ici une première phase dynamique, phase de consolidation à plat, et ensuite ici reprise d'une dynamique, mais du coup qui est beaucoup plus faible. On n'est plus tout sur le même genre de trend que ce que nous avions ici précédemment. Donc là, on est en train de confirmer une poursuite du mouvement haussier. Vous voyez qu'entre cette zone de points bas, cette zone de points bas, il n'y a, a pas une grosse, grosse progression. Toutefois, euh, il est possible hein, que l'on revienne, on confirmera donc la poursuite de cette progression sur une cassure des 1,6603 euh, qui, qui, euh, qui représente ici le dernier point haut significatif de cette tendance court-moyen court terme. Naturellement, une rupture ici de ce point bas qui se situe à 1,6337 eh euh, validerait une poursuite du mouvement de consolidation en direction des 1,6217. Sur le dollarien, pas grand-chose de neuf à signaler. On est toujours ici dans cette évolution secondaire hein, qui fait suite au, au premier trend ici principal. Euh, donc euh, inscription d'un deuxième trend. Alors je vous le dis souvent, c'est pas parce qu'on casse une dynamique qu'on prend la, la, qu prend la tendance euh, opposée. Là, on était sur une dynamique haussière, on a cassé le trend. Hein, par de fois, on a tenté une réintégration. On a finalement poursuivi par une cassure de cette zone ici des 10330 qui était une zone majeure et puis on a pris une autre dynamique hein. donc là ici c'est assez c'est assez visible on a ici un cette première dynamique et deux une dynamique un peu moins puissante mais qui continue à être haussière. Donc là, on est venu confirmer euh, les précédents jours ici que cette zone de support était, était tout à fait significative. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir euh, marqué un test ici sur la bol supérieure. Donc on est toujours sur une dynamique haussière. Attention, il y a quand même des signaux euh, d'affaiblissement, euh, notamment euh, sur, euh, sur le MACD qui, alors que le, le précédent point haut n'est pas cassé, commence déjà à donner des signes de faiblesse alors que le stochastique se trouve en surachat attention ici le fait de ne pas avoir assez d'amplitude sur une poursuite de mouvement haussier peut, euh, peut mettre en danger ici cette zone de support puisque nous serions assez proche de support sur une configuration surachetée ce qui peut favoriser une cassure et donc une, une, une cassure de la dynamique de la dynamique qu'elle qu représente donc tant que l'on reste au-dessus de ce support on poursuit dans une phase haussière les derniers points hauts à casser se situent à 105 ,45, donc une tendance toujours haussière sur le dollarien. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance à vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.